Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 88e épisode de Small Land en coop avec Sabdam, Capo et Petit Ange. Et aujourd'hui, on va apprendre à faire de la poudre. Allez, en route. Saloperie, la rue m'attaque. Attends, parce que je l'ai posé sur le slot 0, mais il veut pas nous ouvrir. C'est pas grave, je te le dis, il en faut 5. Ouais, d'accord. 9 et 5 écorces, d'accord. Ça va. Ça va être vite. Je pense que tu devrais réussir à mettre ça dans tes poches. Du silex, il n'y en a pas besoin. Non, puis on a plein là-bas. Je suis en train de retraverser au niveau de la... Bon, côté de la voiture. Je ramène des corses et je ramène... les graines. Oh bah des graines en plus, je devrais en trouver pas mal par ici en plus, au pire. Oui, au pire, t'en trouves pendant que tu remontes. Hein. Ouais, oh, et là, des graines, il y en a partout par ici. Sur la plage, là, il y a plein de petits graines. Mais arrêtez de venir m'embêter, vous faites pas le poids ici, c'est une blague. C'est une blague? Ça, vous savez qu'on tue des scorpions maintenant, hein? C'est voilà. Clair. Bon, j'ai des graines. J'ai une capsule au cas où. Moi j'ai deux capsules et deux... Mais pourquoi c'est j'ai... Pas mal. J'avais le marteau de construction au lieu d'avoir de quoi me défendre. Ça tu es utile. Bon, il faut que j'arrive à remonter. J'ai une grotte avec des dépôts aussi. Par contre, c'est vrai que j'ai pas d'atelier. Je sais en faire un atelier, je sais pas. Normalement, un atelier de base, oui, tu devrais savoir le faire. Ouais, mais j'arrive pas à... J'arrive 3, 4, 5, 6, 7. De 8 et 9, j'arrive pas à m'en servir. Là, il y avait un scorpion à l'arrière de la. Du pick-up. Attention à l'araignée, je l'ai aux fesses. Je l'ai mise en colère. Non, mais c'est bon, elle est plus en colère. Alors, par contre, ce coffre, il va être embêtant, là. Qui est-ce qui a mis ce coffre? Ah, bah, c'est moi pour mettre toutes mes affaires. Si tu veux bien le déplacer un peu sur le côté, je vais mettre le lapidaire à cet endroit-là. Ah. Ou alors, attends. Non, je vais mettre le lapidaire à côté. C'est bon, t'embête pas. Comme tu veux. Ok. Derrière. 10 briques de pierre. Ah oui! Ah non, les briques de pierre, c'est ça qui va être embêtant. Ça se fait comment les briques de pierre? Ah, c'est pas embêtant. Il en faut 10. J'en ai pas assez. J'ai 3 pierres. Mais je peux en faire d'autres. Oui, je peux en faire d'autres. Un petit peu de place. Ok, même type. Voilà. Ah bah t'as des pierres là. Il y avait des pierres dans ton coffre. Oui, 3. Mais je t'en fais d'autres. Non, le gecko, je te laisse en vie. Allez, t'as de beaux yeux, je te laisse en vie. Bonne idée là, d'aller vers la mésange. Pas du tout bonne idée. Je pense qu'on est... On est bon.
Bien. Oui. On met les pierres dans le coffre. Qu'est-ce qu'il me fallait d'autre? La chitine épaisse. Zut! J'ai viré toute ma chitine épaisse. Vous avez de la chitine épaisse? Ah non. Vous avez nettoyé l'ancienne base ou pas? Je crois qu'il y en avait dedans. J'ai pas de chitine épaisse. Moi, j'en avais posé dans l'ancienne base. Que puis-je poser? Il n'y a pas grand-chose en réalité. Je peux poser un nouveau coffre. Tiens. Puisqu'il y avait posé des pierres là, ça doit être moi qui ai fait une boulette. Oui. Look. Tu peux ramener de la chitine épaisse sur ton passage, Capo? Faut que je passe par la maison, peut-être, parce que là, il n'y a pas d'insectes à chitine épaisse. Oui. Ah, c'est vrai que c'était que les... Elle est où notre maison du coup là, ici? L'arbre qui est au nord-ouest. Nord-est. Nord-est, pardon. Du côté de. Ah oui, du côté de Drustana là-bas, ouais. Bah je vais y passer et puis je récupère de la chitine épaisse. Je vais voir si j'en avais pas lâché dans le coffre de la première tentative de maison. Hein. Peut-être la récupérer aussi. C'est énorme, ouais. Qu'est-ce que tu veux? Je l'ai pas noté, ça, là. Voilà. Alors... Ah non, c'est bon, Capo, laisse tomber, j'en ai 19. Récupère tout ce qui m'intéresse là. Ah non, pas une tempête maintenant. Hein. Je suis pas rentré, moi, hein. J'ai de la route. Hein. Une tempête? La route? Ouais, j'entends l'orage. Ah oui. Effectivement. Bon, attends, tu vas essayer de voir la tempête, il va y avoir la nuit. Moi, je vais passer par la maison. Vous vous couchez, moi, je me couche à la maison. J'arrive à la maison. Enfin, dans l'arbre. Dans l'arbre, vous dormez en bas. Ouais. Ça devrait passer. A pas encore vraiment fait de toi. Si, si, il est en train de faire sa dame. Ah, d'accord. Fais pas un château, hein, cette dame. Hein. Non, je suis juste à toi. Et t'as mis des murs fond. Aussi? Oui. Non, j'ai fait des toits volants. Ah d'accord. C'est un nouveau concept. Bah oui, c'est comme ça qu'ils font les tricheurs. Ils mettent pas de mur, ils mettent directement les toits. Eh hey, mais c'est novateur. Tu peux pas... dire le contraire. Des murs pour pas faire. Alors je confirme que Sabzam n'a pas fait un château. Alors par contre, pour est-ce que t'as de quoi nous faire des lits? Ah. Il est sur le coup. Par contre, ça prend trop de place tes lits et ton feu. Énorme. Parce que moi j'avais besoin de mettre ça. Pourquoi ça va? Et on pouvait faire du charbon. Combien il en voulait de charbon le monsieur? Tu es tombé. Tu as dit que du charbon, mais t'as pas dit la quantité. Et ben j'en fais 10. C'est pas une araignée, ça. Où est-ce qu'on a le
Où est-ce qu'il est le... Ah oui, il faut le raffiner, c'est vrai. Comment on raffine ça? Qu'est-ce qu'il fallait? Il y a table d'apothicaire, pour ça il fallait le bois raffiné et l'écorce. Faut que Capo revienne avec la graine. Et Capo ramène sa graine. Ouais, mais comme il va y avoir la... Ouais. Bah vas-y, prends ton temps. Moi je vais faire une escale technique le temps que tu dors. Vite. Parce qu'il faut que j'arrive à trouver l'entrée du... de l'arbre. Fais-toi un lit, t'as pas de quoi te faire un lit. Fais-toi un lit et un toit, vite fait, une fondation, un toit et un mur et un lit. Attends. Excite pour. Bâtiment. Je reviens. Bâtiment. Le marteau et le bâtiment. Attends, attends. J'arrive, je reviens. Je peux faire, ouais, je peux faire un lit simple. Bâtiment. Une fondation, non, sol en bois, c'est quoi? Il y a fondation, ouais. Fondation. Bâtiment, donc mur, les murs, c'est les murs, c'est quoi ça? Non, c'est pas les murs, ça. Ouais, mais ça, c'est les murs en pied. Sol. Comme ça. Il y a un lit en dessous. Comme ça. Est-ce que ça suffit pour dormir? Ah oui, c'est bon, je suis couché. Nous aussi. Ah bah voilà. Ok, parfait. Donc maintenant, on va démonter. Je récupère tout, c'est parfait, ok. Allez hop, on y va, on retourne l'aventure. J'arrive au pont. Heureux. Heureux. Alors, il est en route, Capo? J'arrive au pont. Je vais peut-être passer par la gauche du pont, ça me rapprochera. Et t'as mis un sol en feuille, Capo. Sa dame. J'avais tout mis en dans les coffres là, donc oui, il y en a là. Là, il y en a de la fibre. Pourquoi il y a de la neige dans la maison maintenant? Parce que j'ai enlevé le plafond parce que il a mis un sol au lieu de mettre un toit en feuille. Du coup, il prenait des dégâts parce qu'il était pas à l'abri. Ok. Je me rapproche. Je peux pas couper l'herbe. Ah, si tu non, tu vas agrandir de ce côté-là, toi. Ouais, j'allais agrandir de ce côté-là parce que c'est un peu serré. J'allais faire du tout. Ouais, je dépose ce qu'il faut à l'intérieur. J'ai tellement vite que le frelon ne m'a pas vu passer. Ça se prend ici. Pourquoi t'as... T'as pas enlevé. C'est toi qui l'as enlevé. J'ai pas enlevé. J'ai bugué. Autant pour moi.
démonter les lits. Ouais. Tu veux qu'on pousse les lits? T'as pas de monter. J'y remets. Voilà. Bon. On peut se remettre un petit spawn. Et... Là, c'est un lit pour capot. Je suis pas très très loin. C'est Pourquoi je vois quelqu'un complètement à gauche et le marchand où on est installé Non, non, c'est pas le marchand où on est installé, nous, c'est Granger, c'est... Voilà. Vers là où, ouais, complètement ouais. À gauche. Ah oui, c'est pas... Je suis con. C'est pas le marchand. Regardez pas le bon truc. D'accord. Là, j'arrive directement au-dessus de vous. Attends, mets ça. Je mets le toit. Mais attends. J'ai mis le toit. Oui, mais regarde. J'aime bien à toi. Ah, dans les angles, tu veux. Ok. Oh, les canons. Je peux récupérer. Qu'est-ce qu'il me faut déjà? Je te jette. Ah, c'est ça qui m'a fait des dégâts. La graine et l'écorce. Graine. Je te jette l'écorce. Merci. Tout ce que t'as besoin pour l'instant. Oui. Ah, j'ai plus de place. Après. Il y a la tempête qui commence, hein, la IRL. Hein. Ah oui, ça. On est en Normandie, là, on est les, on est sur le front. Hein. T'as déménagé, toujours en Normandie. Ah oui, oui, je suis resté en Normandie. Oui, j'habite à 1 km d'où j'habitais. Voilà, on a juste changé la ville à côté. C'est ça, mon grand. Bon, bah, puisque je suis à l'abri dans ce la qui me manque, ah, j'ai pas fait le bois rapide. Tu as pris ton lit? Il est où mon lit? Il faut que tu en choisisses un. Là, c'est, c'est le seul qui est dispo. Non, je l'ai ici. Pierre. Voilà, c'est bon. Pierre. Je me pose là, je vais coucher le team pendant ce temps-là. Vas-y. À tout de suite. Non mais pas un coffre en plein milieu, Samdam. Je voulais pas le mettre dans l'angle là où. Alors, soufre raffiné. Ah, ça le prend par 5, ok. Salpêtre, il est où le salpêtre, petit ange? Tout est dans les coffres que j'avais sur moi. Il y a que 6 salpêtres. Sam, t'as du salpêtre? Allez. Les autres, ils en ont peut-être. Donne-moi ton salpêtre. Je vais leur affiner. Encore une tempête? Ouais, ça arrête pas. Hein. C'est peut-être la région qui veut ça. Est-ce que tu as fini de poser tous les établis qu'on avait besoin? A priori, oui. Il y a un truc qui est par terre, là. T'as pas repris le souffle que je t'avais donné. C'est pas grave. Ah, pardon. J'ai du souffle, voilà. Fini comme ça. Ah bah là, tu t'es déshabillé. Bah ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait... Je me suis foutu tout chaud. Vas-y, t'es foutu à poil. C'est sale, Samdam. Ah oui, carrément, ah oui. Ok. J'ai fait juste tout stocker. C'est 3 wallpings. Je me fasse une flèche. Yes! J'ai pu améliorer mes armes avec le bois et la pyrite. Ça demande 5 de pyrite pour améliorer par contre. Il ne reste plus que 6.
Et c'est la tempête. Il y avait de la pyrite dans le coin? Oui, vers la Bigale. Il fait gaffe, t'es en pleine tempête, Edru. Oui, bon. J'ai fait 13 de chaque, j'espère que ça va lui suffire. On va voir ça, ouais. On peut. Oui. La tempête est finie. La flèche urticante, il faut que ça peut être rapide. Faire des flèches. Ah bah les... Et ouais, les jeunes Olenia, ils sont déjà revenus dans son jardin. Ouais, bah c'est là où j'en ai coupé tout à l'heure. Okay. Alors, monsieur, j'ai rapporté ce qu'il vous fallait pour le sable ardent. Bien. Bien, commençons dans ce cas. D'abord, il faut moudre tous les ingrédients ensemble et ensuite, on ajoute un tout petit peu d'eau pour stabiliser la mixture. Assurez-vous de... La tenir à distance des étincelles et des flammes. Merci. Ouais, ouais. J'en prends bonne note. Et c'est tout? Comment ça s'utilise exactement? C'est tout. Le plus important, c'est la quantité des ingrédients et la proportion du mélange. Si vous vous plantez, ça tournera en eau de boudin. Pour utiliser du sel de feu, essayez d'en mettre dans un petit contenant et d'y ajouter une mèche. Je vais vous montrer. Si, ça me sera sûrement utile. Vous pensez que vous pourriez me montrer comment se fabrique une escopette? Ah, vous voulez votre propre Bessie, c'est ça? Mais enfin, je peux pas apprendre ça à n'importe qui. Placée entre de mauvaises mains, cette arme représente un grand danger. Mais vous savez quoi? Rendez-moi un petit service et je réfléchirai à votre demande. Ça me paraît honnête que vous voulez que je fasse. Eh bien, les attaques de scorpions ont augmenté ces derniers temps. Je viens au ranch la nuit pour attaquer le troupeau. J'ai réussi à les repousser à plusieurs reprises. J'en ai même tué un ou deux, mais ils finissent toujours par revenir. J'aimerais trouver une solution plus définitive. Comment puis-je vous aider? Allez donc rendre une petite visite aux fanatiques des scorpions. Au temple juste à l'ouest, selon les rumeurs, ils auraient une sorte de nourriture qu'ils donnent aux scorpions. Elle leur permettrait de les rendre dociles pendant un temps. Oui, si vous pouvez m'en obtenir. Ok. Et c'est ça qu'il nous faut pour tamer les scorpions. A priori. Tu nous glisses les trucs qu'on puisse avoir le dialogue aussi. Ouais. Je vous ai posé les trois. Ok. Alors, j'ai apporté ce qu'il vous fallait. J'ai récupéré du bois de fer encore. Donc en gros, on a la fabrication des munitions et pas de l'arme, c'est ça, non? Ouais, on a la fabrication de la poudre et des bombes. D'accord. Mais... pas la fabrication de l'arme encore. Et l'arme, donc, c'est à l'ouest, il a dit. Alors, ce serait où, à ouais. L'ouest? Peut-être sous l'arche. Donc, le sable ardent, c'est 4 salpêtres et un soufre, raffiné avec 2 charbons. Alors... T'auras fini, capot, tu me donneras? Ouais, sous l'arche, à mon avis. Ouais, attends, j'ai pas pris encore. Ah, bah, c'est 4 c'est petit ange. Ah, ça y est, j'ai pris. Ok, je fais vite le dialogue. J'ai rapporté ce qu'il vous faut, Tagalit, one. Voilà. Bon, le sable ardent. Ouais, mais c'est bon. Merci. Ok. Voilà. Paf, tiens. C'est soufre raffiné et charbon. Et le dernier, salpêtre raffiné. Voilà, tiens, c'est bon.
Merci. Bon, par contre, j'ai plein de trucs sur moi maintenant, du bois, tout ça, là, on a des... Il y a des coffres dans la maison. D'accord. Parfait. Attention en volant par ici, hein. Toutes les tourelles autour. Des coffres qui sont pleins, faudrait en rajouter des coffres. Tiens, bah passe-moi ton bois, capot. Ouais. Moi, j'ai du bois de fer et de la fibre. Encore du bois, ça, c'était quoi ? Ouais. Je t'ai mis du bois et de la fibre partout. Ouais, j'ai vu ça. Ah, tiens, y a du j'ai bois rajouté un coffre derrière. Hop. Bah c'est bon. Hop, moi j'ai plutôt vidé dans le coffre. Il y avait du bois. Et du soufre raffiné, du salpêtre raffiné qu'on va pouvoir stacker, je pense. Oui. Il nous a mis où ? Et le sable ardent, donc il demande quoi ? Je viens de le voir. Il demande deux charbons, quatre salpêtres et un soufre. Et la bombe après, c'est quoi ? Elle est où la bombe ? Ah, la bombe à sable ardent. Ah, ça se crafte par 10. Faut deux chitines à scorpion, deux pyrites et 5 sables ardents. Donc la chitine de scorpion, elle va servir à plus aux améliorations et aux bombes. Ouais. On fait du coup la... De quoi ? Oh non, pour l'instant on va aller voir... Je veux pas faire des bombes pour la route. Oh. Ceci dit, pour la route, peut-être que pour l'instant, la route elle va s'arrêter là pour ce soir. Ouais, et on ouais. ira voir la prochaine fois pour récupérer... Ouais. Pour récupérer l'arme. Ouais, parfait, ça me va bien. Il n'y a pas de soucis. Est-ce qu'il y a des coffres vides ? Il y a des nouveaux coffres à gauche, là. Et il faudra qu'on chope de la pyrite pour que vous amélioriez vos armes, également. Ouais. C'est de la pyrite qui va vous manquer. Je me suis vidé. Et après, c'était la chitine de scorpion et le cuir de serpent. Chitine de scorpion, on en a un petit peu. J'en ai 6. Il en faut 5 par amélioration. Donc, 20 par personne. 80 chitines de scorpion. Et du cuir de serpent, du coup. Pareil. Il en faut 2, 8, 32 cuir de serpent. Sachant que c'est du cuir de serpent. C'est pour les améliorations, tu dis ? Les améliorations des tenues. Pour les armes, il nous faut juste de la pyrite et... J'ai déjà amélioré les miennes, donc je sais... Et le bois de fer. Bon, si on fera ça, si on a, et puis voilà, c'est pas... Oui, voilà, on chope de la pyrite et on peut améliorer. C'est comme, ça ira très bien. Si on avait qui nous donnait plus 30 d'un coup. Quoi. Oui. Bah, quoique mon arme... Combien elle fait maintenant ? Mon marteau, il fait 65-75. Et ma hache, elle fait 40-55. Ah ouais, elle était à 32-44. Ouais, ça monte quand même pas mal. Pas mal, quand même. Et le Morgenstern amélioré 2 crans, il fait 30 à 40. Ok, ok. Dégâts perforants, ouais. 29-36, mon arc amélioré. Ouais, moi j'ai amélioré ce que j'avais tout à l'heure. Je crois que c'est le home. Il fait 6 de protection. 36 de protection. Non, non, le home, t'as pas pu l'améliorer. C'est ce qui demandait justement le cuir et. J'ai amélioré les deux qui demandaient que du. T'as un petit 1 devant. T'as un petit 1 ou un petit 2 selon le niveau d'amélioration. C'était ton ancien home que t'avais amélioré. Ah, non, parce que c'est pas l'ancien home, l'ancien. Les épaulières ou. Non, pas les, enfin, les brassards ou les jambières, peut-être. Je ne sais pas. Ah, j'ai amélioré ma Morgenstern. Ouais. Ah, bah voilà. Ouais, c'est la Morgenstern que j'ai améliorée tout à l'heure. Ah, bon, bah, en tout cas, il nous manque juste de la pyrite pour pouvoir améliorer toutes les armes. On va la trouver, ça, c'est pas un problème. Home en pyrite niveau 2. Home en pyrite, il est niveau 2. Et arme composite niveau 3. Pourquoi t'as un home en pyrite? T'es censé avoir un home d'Icar?
Pourquoi j'ai un home des vampirites? Pourquoi j'ai un home en pyrite? Tu l'as juste pas rangé dans ton coffre? J'ai pas pris? Ah bah ouais. Bah oui, j'ai le home d'Icar, je suis... Bah oui. Tu l'as mis après le home que j'utilise pas, d'accord, ok. Ah oui, c'est bien. Voilà. Bravo. C'est très utile. Bon bah en tout cas, merci à vous trois. Merci à tous ceux qui sont passés nous voir. Moi, je vous retrouve vendredi avec Capo et Krios sur Icarus. Et puis samedi, on sera enfin sur Vintage Story avec Sabdam, avec Pec, Exka et Nico. Voilà, donc encore une fois, merci à vous tous. Bonne fin de soirée. Je vous dis à vendredi et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao. Bye bye. Coucou à tous. Salut tout le monde. Coucou. Oui, coucou. Bonjour les gens. Bonjour, au revoir. Ciao. Au revoir.